moi, Rosie. Je suis la grosse orage. Je vais tout casser. Mais c'est quoi ça? Ben, c'est un œuf, banane. Oh, c'est chaud. N'importe quoi, c'est pas chaud. Mais pousse-toi. Tu crois qu'il y a un bébé dedans? Il est vivant. Maman, maman! Chut, tais-toi. Il va pas vouloir qu'on le garde. Walter, Rosie, on va y aller, les enfants. Allez, en route. Allez-y, on t'emmène. Comment on va l'appeler? Pourquoi pas Squeak? Attention. Tiens, vous avez vu les enfants, ils réparent les lignes électriques. La télé va remarcher. Ouais, la télé! Wouhou! Oh là là, mais quel bazar! C'est la tempête Rosie qui a tout cassé. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Fais voir. Non, arrête, tu vas le casser! Eh, hey, mais donne-le-moi, moi aussi, je vais non, prendre... Non, arrête! Oh! Tout va bien derrière, je vous entends plus. Oui, oui, on se retient pour pas avoir mal au cœur. D'accord, ok. On arrive bientôt. Oh, t'as vu? Regarde. Ça y est, il sort. Chut, tais-toi, pas si fort. Bonjour, Squeak. Oh, il a l'air tout doux. Qu'est-ce que tu fais par terre, toi? T'es tombée de ton nid? Elles te plaisent, mes bottes? Fais attention, tu vas te faire marcher dessus. Allez, envole-toi. Allez les enfants, on descend. Aïe, chut. Mais c'est pas moi, c'est Spook qui m'a piqué. Papy! Oh, ma puce. T'as encore grandi, on dirait. Oui, t'as vu? Je suis moins petite maintenant. Bonjour, Walter. T'es bien timide aujourd'hui. Moi? Non. Qu'est-ce que tu caches sous ton t-shirt? Moi, rien. C'est bizarre. Il y a un petit truc qui bouge, là. C'est un secret, on peut pas le dire. Même à moi? Regarde! Oh, mais c'est un petit bébé chouette! Oui, il était dans son œuf au début. Et puis après, il est tombé. Poum! Et il est né dans la voiture. Il s'appelle Squeak. Il est tout doux. Sauf là, le bec, il pique un peu. Vous savez, les chouettes sont des animaux sauvages. Leur place est dans la nature. Mais nous, on peut s'occuper de lui, nous. Lui donner des chips, du saucisson. Non, non. Il faut qu'on l'emmène au refuge. Ils sauront lui trouver une maman. Il peut pas rester avec nous? Bon, d'accord. Juste le temps du déjeuner. En attendant, on va lui trouver un petit abri. Tiens, ce truc-là devrait faire l'affaire. Approche-le-moi, s'il te plaît. Bascule ta main. Comme ça, doucement. Il faut éviter de trop le toucher, il ne faut pas qu'il prenne notre odeur. Qu'est-ce qu'on sent? On sent, nous? Voilà, il sera très bien, là. Allez, en route, mauvaise troupe. À tout à l'heure, Squeak. T'inquiète pas, on revient. Thank you.
Le gombo est prêt. Le gombo, le gombo. Attention, le gombo. Au devant. Ouais. T'as mis des écrevettes dedans? Des crevettes, pas des écrevettes, patates. Vous voulez bien arrêter de vous chamailler deux secondes? C'est pour qui celle-là? Moi, ouais, c'est moi, Prums. Moi, je suis deux. Dis, papy, on pourrait garder du gombo pour Squeak. Comme ça, ce soir, quand il ira au refuge, il aura à manger. Je suis pas sûr que les chouettes aiment vraiment le gombo. Ça sent bon. Vous entendez? Il y a un drôle d'oiseau dehors. Elle est bizarre, cette mouette, non? Ah bon? Tu trouves? Saladier, il est tombé par terre. Oui, t'es où? C'est Walter. Mais il y a un truc là-dessous. Hey, dis donc, il y a une autre chouette. Oh, elle est jolie. Oh, comment elle est arrivée là? Et lui, il fait que des galipettes. Elles ont l'air d'aimer la mer. C'est l'heure du bain. Vous savez, je crois qu'elle repart chez elle. Elle s'en vont pour de vrai alors? Et le refuge pour les animaux, on n'y va plus? J'ai l'impression qu'elle se débrouille très bien toute seule. Il faut les laisser faire leur vie maintenant. Au revoir, Squeak. Reviens nous voir.